Vous pouvez faire vos comptes. Vous ajoutez 5, 7, 9, 15, 27, 30, etc. Et vous ajoutez tout cela. Bien. Vous direz, c'est concret. Parce qu'à la fin, je saurez combien j'ai dépensé. C'est concret. Mais c'est abstrait en même temps. Parce que les règles que vous utilisez, vous pouvez les utiliser tout autre calcul, pour toute autre addition. Non seulement pour les nombres que vous considérez maintenant, mais aussi pour tout autre nombre. Vous avez ajouté 32, 27, 60, 95, vous pouvez ajouter également 1280, etc. etc. Par conséquent, lorsque vous faites un calcul, comme dit euh, très bien Cavaillès, l'opération que vous effectuez se situe dans un champ qu'il nomme paradigmatique. Dès l'instant vous voulez prendre conscience de ce que vous faites à chaque instant, ou vous voulez actualiser chaque instant votre, les résultats de votre calcul, en disposer, vous opérez sur des objets quelconques, même si ces objets sont bien. Euh, si ce sont écrits. Si vous, ce que vous avez écrit, ce sont des nombres bien caractérisés, des petits nombres que vous connaissez bien. Bon. Mais après cela, si vous êtes vraiment mathématicien, vous allez faire autre chose. Vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce que c'est à vrai dire qu'une addition Quelles sont les propriétés de ce qui peut s'additionner Quelles sont les propriétés de l'opération elle-même hein, vous, vous allez donc définir ces, ces, ces règles fondamentales, associativité, commutativité, etc. Distributivité par rapport à la multiplication, etc. Vous allez donc vous placer un point de vue que Caballès appelait le point de vue thématique. C'est-à-dire vous allez prendre ça comme objet. Comme thème, -ce Comme thème, mais qu'est-ce que vous prenez comme thème L'opération, l'enchaînement, l'enchaînement des opérations effectivement produites, actualisées, toujours actuelles, hein, toujours en mouvement, toujours en progrès, tant que vous les effectuez. C'est cela que vous allez prendre comme objet, et donc vous allez essayer de définir les lois. Et bien, la théorie, la science, comme une science comme la logique, une science comme les mathématiques, se constitue, dit Cavaillès, je crois qu'il a profondément raison, Toujours dans l'unité, dans la conjonction de ces deux démarches qui s'engendrent et se répètent. Il n'a jamais été ce qu'on appelle un logiciste en mathématiques. Qu'est-ce que c'était qu'un logiciste Les logiciste, c'était des gens comme Russell, par exemple, ou avant lui, Frege, qui posait en principe que tout l'édifice des mathématiques et toutes les opérations mathématiques se réduisait à des opérations logiques, qu'elles étaient la mise en œuvre d'opérations logiques, et qu'il fallait chercher le fondement des mathématiques dans la seule logique. Si l'on établissait une grande logique, si l'on fondait une grande logique, par là même, le problème de la nature des mathématiques se trouverait euh, résolu. Euh, Cavallès a toujours refusé ce point de vue strictement logiciste. De même, il a toujours refusé le point de vue strictement formaliste, c'est-à-dire ce point de vue qui consiste à considérer qu'à vrai dire, les mathématiques euh, sont au point de départ un ensemble d'opérations réglées portant sur des symboles. Il a toujours, toujours euh, refusé ces deux points de vue. En somme, ce qu'il refusait, c'était euh, ce qu'on peut d'appeler le pouvoir théologique de la logique. Il n'y a pas de logique préconstituée et euh, évidemment le, le, le pouvoir euh, absolument euh, discriminateur et le, le pouvoir exclusivement fondateur du formalisme. Ce qui l'intéressait, c'était d'entrer dans le contenu même du, du travail du mathématicien, de saisir sur le vif les gestes créateurs du mathématicien, de saisir le mouvement de la pensée, de saisir toujours, en toute occasion, ce couple, opération, objet. Alors bien entendu, sa philosophie, elle consistait à appréhender un enchaînement de gestes créatifs dans le champ de la mathématique elle-même. C'était une, une philosophie d'installation vivante. Oui, C'est une philosophie du concept. Oui, du concept saisi comme moment productif de la pensée, ou comme il dit souvent, ou parfois, comme l'idée de l'idée.